Bonjour et bienvenue en Minecraft, pardon, 15W41B. Alors là, on l'oublie, c'était une snapshot un peu ratée et ils sont vite passés à la B au bout de 12 minutes. Donc, qu'y a-t-il de neuf? C'est pas dans l'inventaire. J'appuie sur F3, on va le voir juste ici si ça ne plante pas parce que je n'arrête pas d'avoir des BOSD. Et oui, vous voyez ici derrière notre petit gardien. C'est pas vraiment un gardien, mais bon. Ici, dans cet item fra, vous avez Elytra. Qu'est-ce donc qu'Elytra? Alors, on va voir ça tout de suite. C'est un moyen de transport. Si je regarde mon propre inventaire, vous voyez, j'emporte déjà en guise de buste. Et on va voir tout de suite. Alors, voyons le reste des nouveautés. Voyons le reste des nouveautés. Ceci, les bateaux, donc cette fois-ci, selon le bois avec lequel vous allez les faire. Hein, donc, le chêne noir, l'acacia, le bouleau, le bois de jungle, etc. etc. Ça, c'est le sapin, je crois. Alors, comment fonctionnent donc ces petites ailes? Alors, déjà, on peut noter qu'on peut les, avec une enclume, on peut leur mettre solidité ou windbreaking, grâce à un livre qui aurait cet enchantement. Mais on peut aussi les réparer avec du cuir. Voyons voir du cuir. Hop là. Oui, celles-là, elles sont pas abîmées. On va prendre l'inventaire du joueur. Hop. Et un petit coup de cuir, et voilà, elles sont réparées. Et donc on peut les remettre ici. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement? Vous allez comprendre pourquoi il y a cette tour. C'est que je me suis amusé à faire des petites expériences. Bon, en réalité, c'est pas vraiment utile, mais c'est quand même plus rigolo de se jeter depuis un plongeoir. On va faire suffisamment haut. On va mettre un petit F5. Et vous allez voir justement à quoi servent ces petites ailes. Et voilà, la chute est donc dirigée et contrôlée. Alors c'est plus un planeur qu'autre chose, mais c'est vraiment très très cool. Donc voilà, sur ça, sur ce, pardon, on va se quitter. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Ouais, c'est en snapshot, c'est encore un peu buggé. Bien entendu, d'autres vidéos arriveront à chaque fois qu'il y aura des snapshots notables et que je pourrai réagir suffisamment rapidement. Et donc, en attendant une prochaine fois, eh bien, je vous souhaite tout le meilleur du monde. À bientôt.